Bonjour, bonsoir Haïti, tous les amis compatriotes, tous les accès collaborateurs et qui connectent nous dans tous les départements pays. Bonjour, bonsoir la diaspora et toutes les fans inconditionnels qui suivent nous tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir fanatiques, bonjour, bonsoir internautes, tous les fidèles branchés plateforme ça. Moi content ensemble avec nous, c'est nous la Kaino, notre travail dans la rue, quel que soit à côté, nous suivons Chanel ça, moi salue. C'est encore une chaîne plaisir qui m'a connu Under Foken pour nous rentrer la caille, pour nous partager avec vous toutes nouvelles et toutes informations qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger. Dans mes cours, voilà, Kaila, c'est toujours serviteur, aux amis, aux merci Dieu, toute équipe là à la Ronde déjà mobilisée. Nous pouvons faire une transmission journal Mega Matin, j'en ai tout le temps déjà connu. Mega, c'est plus gros réseau radio haïtien qui est sous la tête bénie, avec un staff nouvelle là, information yo, sous pays d'Haïti. Wakiti, Radio Mega, pour Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur antenne Radio Méga. C'est troisième paraître journal Méga Maté qui rentre la caillou. Jeudi, c'est mercredi 13 mars 2024. Un journal qui arrive possible grâce à concours toute équipe à la nouvelle. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré bouton. Micro présentation, moi-même Jean-William Sévère avec Daniel Daniel. Mais quelques principales informations n'a bien pour développer dans le journal la matin, un changement dans l'ESICT conseil présidentiel là, contrairement à ce qui est annoncé, famille Lavalas ak Montana Yoshak ap bayo membre red et des compromis historiques yo membre plus deux observateurs qui donc c'est 9 au lieu 7 membres. Un groupe compromis historique confirmé à 21 décembre 9 fait choix Vicarson gagné pour représenter au conseil là, ancien parlementaire, saluer le consensus là qui aboutit avec le conseil présidentiel là, qui prend le travail dans l'intérêt citoyen. Un dirigeant protocole 17 octobre, le quoi conseil ça, si on pas dans la bonne direction, il souhaite le conseil ça à appliquer une feuille de route qui charrie revendication peuple là, surtout problème de sécurité. Il souhaite en même temps tout acteur politique qui mette tête ensemble pour travail pour sous feuille de route ça pour payer un cap en route stabilité à l'élection. Alors, ce qui est divers, alors, groupe voyage était démarche ancien sénateur Eli Guy Philippe là qui qualifiait arrogance comportement international là qui pensait être capable de décider diriger ben, Haïti pour régénérer le système là. Guy Philippe s'est monté révolution après poursuivre pour faire échec à quel projet si là. Consensus national transition politique parti Sayo continue de proposer un juge la cour cassation pour combler vide présidentiel. L'agence a prévoir dans la constitution 87 là n'est pas dirigeant politique qui entraîne dans conseil a fait choix trahir nation selon Olivier Pierriche. PNH là continue à compter cadavre de toute façon des policiers. 31e promotion mourir hier mardi à policier Antoine Edwich mourir avec une maladie qui tape l'étape supportée. Et ainsi Angelo mourir dans deux trois commissariats Delma 62. Hier 12 mars là fait 3 l'année depuis 5 policiers étaient mourir dans l'opération dans village de Dieu. Coordonnateur Sinapo Lionel Lazadi regrette 3 l'année après cadavre policier yo toujours dans le village là. Au contraire, Badi yo continue à humilier policier, embager un policier yo. Syndicaliste dit regrette jusqu'à présent toute responsabilité yo pas jamais fixé. Kenya a décidé de camper sous processus de déploiement force multinationale là jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement qui est installé dans tête pays. C'est pendant accord qui était signé en tête des pays toujours valable d'après ça. New York Times même yo rapporté. La crise alimentaire continue à tailler selon le programme alimentaire mondial. C'est 1,4 million haïtiens qui ont mouru à Bagagouna paysan. Pas ma baille 35 000 plats chauds chaque jour, mais le Pacifique pour selon responsable qui voulait toucher 2,4 millions de monde.
Il y a un bureau avocat international qui critique l'autorité ici qui pas fait rien pour après révélation université Michigan et confirmé dire capable sous marché local là capable bay concert Mario Joseph fait connaître c'est toujours dans plan gros pays pour réduire production nationale là dans pays a pour capable transformer Haïti en consommateur. C'est pour ça yo ak divers les autres qui pral fait essentiel journal la matin mais pas oublier n'a bien pour traverser avec vous. On connaît combien goud besoin pour capable acheter un dollar américain dans journal aujourd'hui. On a bien pour porter pour Becker capsule santé retranché n'a tourné. Nous joignons collaborateurs nous pour nous capables dire aussi le possible pour capables traverser cette difficulté. Nous avons une information dans le journal là. Nous connaissons qui a une information qui a dominé l'actualité. C'est question à conseil présidentiel là, amis auditeurs. Mais il y a un site qui a déjà acheté joindre pour être capable à joindre monde pour y aller présenter dans le conseil présidentiel là. Jusqu'à maintenant, il y a une bouche l'ouvrie entre divers secteurs. Dans l'aide mémoire, CARICOM, t'es voué par ESIC qui t'es participé dans la rencontre qui t'es faite. Nous faisons connaître le conseil de transition. Il y a 7 membres qui sont désignés par diverses entités. Nous pouvons citer les amis auditeurs collectifs. 30 janvier, avoué un membre. Accord Montana, avoué un membre. Accord 21 décembre, un membre. Aider RED avec compromis historique, un membre. Famille Valas, Yomab, Patsy, Petite Dessaline, ak secteur privé, après secteur des affaires. Là, Yomab, selon document, un rassemblement pour l'entente nationale, ak souveraine, Afghan Yomab, et puis Diaspora, a représenté comme qualité observateur. C'est Rennes avec Diaspora, a représenté comme qualité observateur. Résumé, KAYOKOM, comme dans le changement, dans ce qui concerne les représentations désormais, dans le premier, ça qui sorti, la Valas avec Montana, yo tap met ensemble pour voyer mab ben na aide mémoire ça carry comme voye by CTO ben la Valas a voye yon Montana voye yon en plus 7 sièges a bien 2 observateurs ça qui fait au total 9 moun qui a supposé faire partie conseil présidentiel si là majorité structure qui t'a doué voye non by carry comme pour formation conseil présidentiel là yo risqué pas respecter délai 24 heures qui t'es alloué avec eux-mêmes. Dans le niveau accord 21 décembre, il y a une bataille pour le leadership qui a fait. Donc, la majorité a choisi Vicapson gagné pour voyer dans le conseil présidentiel là. Mais, comme ça, tout, il y a un collectif 30 janvier, il a choisi Edgar Leblanc, fils, Marie-Giselaine, mon premier, lui-même, t'a dû choisir pas aider avec Red, compromis historique. Mais, pourquoi il y a un qui clair pour choix qui t'a dû voyer, bah, autorité, yo, c'est ça, métronome à prendre. Ma petite Dessaline même, yo retiré tête dans toute participation, selon ça Moïse Jean-Charles lui-même li déclaré ba métronome. Donc accord Montana yo même bon côté pa yo, il a réfléchi pour connaître qui est il a voyé dans conseil présidentiel là. Groupe concertation politique pour compromis historique ça les résultats j'ai parlé CARICOM non qui aboutit à conseil présidentiel l'ancien député Abel Décolin-Dil net accord 21 décembre échoué yo décidé pour une autre direction à conseil ça qui domine un pays en soute élection en côté ancien député Abel Décolin dans micro Manès samedi nous-mêmes en un niveau cadoa dans un niveau concertation politique pour compromis historique depuis toujours depuis tout temps nous toujours voulons faire partie de solutions nous pas jamais voulons faire partie de problèmes. Et c'est parce que nous toujours voulons faire partie de solutions, solutions qui sont capables de sortir le pays dans l'instabilité, solutions qui sont capables de sortir le pays dans la mauvaise gouvernance, solutions qui sont capables de mener le pays dans le rétablissement de l'ordre démocratique, qui fait nous adhérer avec sa relé accord 21 décembre 2022 de bonne foi. Nous pas adhérer avec accord parce que nous t'ai sans mitaille avec premier ministre Ariel Henry et comme de fait nous pas gagné relations en mitaille avec ancien premier ministre Ariel Henry nous pas adhérer parce que nous tenons gouvernement et comme de fait nous pas jamais dans gouvernement mais nous t'ai adhérer parce
parce que Jean moi dit là, nous voulons faire partie de solutions. C'est même Jean, après un an, échec accord 21 décembre, c'est pas ça qui est un accord en soi qui n'est pas bon, mais échec accord parce que l'objectif ça n'est pas arrivé réalisé. Donc je voulais vous dire, les présenter devant nous un conseil présidentiel qui doit gagner la donne, ils vont sortir de là, plusieurs acteurs, plusieurs regroupements de partis politiques, plusieurs secteurs politiques. Eh bien, encore une fois, nous-mêmes nous disons, si c'est ça qui est capable de permettre de gagner une solution pour sortir payant dans la détresse payant hier jour dans le jour, pour sortir peuple dans l'instabilité que lié, pour délivrer peuple de violence généralisée qui gagne, eh bien nous-mêmes, dans le niveau cadeau, dans le niveau concertation, qui en temps 21 décembre, nous prêts pour que nous approuvions pour permettre de gagner aux solutions qui joignent finalement. Écoutez, est-ce que ces solutions qui ont mené le pays dans la bonne direction? Non, moi pas pourri dit ça. Mais étant donné que gagner une relation de méfiance qui existait dans le pays ça, en toute qualité monde, en toute qualité secteur, que ce soit secteur politique, que ce soit secteur économique, que ce soit société civile, que ce soit dans le secteur de l'église, malheureusement, méfiance-là, l'existe de tous côtés. Eh bien, si pour capable diminuer méfiance-là, ces possibilités qui gagnent à travers un conseil présidentiel pour tout le monde la donne, si on est capable de parler comme ça, ou bien pour majorité secteur la donne, si ça capable d'aider gagner un apaisement pour permettre gagner un environnement tranquille pour peuple embarqué avec occupation, un environnement qui permette mon examio de déposer âme, un environnement qui permette que pays préparer conditions acceptables pour élection organisée, pour que peuple lui-même est capable de décider qui laisse monde, qui laisse groupe qui voit, c'est ça que fait nous dire, nous-mêmes, nous voulons faire partie de solutions, hein, et si ces solutions ça qui paraissent plus ou moins acceptables, eh bien, nous appuyer, lors même, nous pas capables de dire, j'en pose des questions, que c'est lui-même qui a porté toute solution à problème pays d'Haïti. Voilà, on t'a écouté Abel Descollines, on a toujours été ensemble avec lui dans le journal là. Ancien député Vicky Abson gagné si à terre 21 décembre, il a choisi pour le représenter dans le conseil ça, d'après confirmation Abel Descollines, qui rappelait ses majorités à qui décidait ça. Ancien parlementaire rappelé, Vicky Abson gagné, rapporté choix ça, sous docteur Émile Charles avec docteur Alex Larsen, Abel Descollines. Donc, dans le cas qui nous concerne, on, 21 décembre, fait choix de un représentant pour participer dans le conseil présidentiel. Là. Jeudi, qui était 8 mars qui passait là, au Manet samedi, si mémoire pas fait défaut, sous initiative, l'une ou plusieurs membres signataires dans le 21 décembre, gagnaient une réunion qui était organisée. Et dans la réunion, ça, et comme toujours, gagner au ordre du jour qui te baille. Et c'est parmi les initiateurs qui eux-mêmes te proposé ordre du jour, ça. Et une autre point, c'est de discuter sous éventualité pour 21 décembre, accepter l'idée conseil présidentiel, là, mais tout l'idée pour que 21 décembre proposer moun qui pour faire partie du conseil présidentiel ça. Et c'est ainsi que dans un coup ça, lorsque point qui était un rapport avec proposition de nous, gagner pour écrasante majorité d'un participant dans la réunion 8 mars ça, qui décidait de non. Évidemment, il y a plusieurs autres noms, mais qu'on écrasante majorité qui décidait de non. C'était Dickerson Gagné, l'ancien député de Tchot, et docteur Émile Erachol. Et gagné trois mounes qui étaient cités noms, ancienne sénatrice Edmond Suplice-Bosil. Gagné deux mounes qui étaient cités noms, l'actuel ministre démissionnaire
de la santé publique, docteur Alex Lassène, qui soit dit en passant par un signataire de l'accord 21 décembre. Voilà que, écrasante majorité, ça a cité deux noms, Mounsayo, lorsque président de séance prend initiative rencontrant comment se fait décantation, c'était l'ancien sénateur de la grandeur Sorel Jaffin. Sorel Jaffin. Les que gagnaient en infirme minorité, qui rendent compte que je passais à côté, à savoir, moun peut-être je t'a aimé, moun peut-être je t'a souhaité, je t'ai voté ou pas voté, yo, et puis moun sa yo, comme yo kon dit dans le football, yo décidé de faire obstruction. Malgré je t'ai validé au deux jours, malgré votre ça a fait trois heures de temps après, parce que c'est mon départ, qui était fait, ça veut dire tout le monde était là, mais je décidais de faire obstruction lorsque je rends compte que dans des comptes là, une majorité signataire aussi, non, il n'y a pas là-dedans. Dirigeant protocole 17 octobre, là, Delson Sius salier des bâches pour mettre capé un conseil présidentiel pour mener back pays. C'est un pas dans bonne direction d'après dirigeant politique là, qui souhaitait le conseil s'affiche monter pour appliquer une feuille de route qui charrie revendication peuple, surtout problème et sécurité. Il souhaitait en même temps tout acteur politique et militaire ensemble pour travailler sur feuille de route ça pour payer capé route stabilité à élection en côté Delson Sius. Alors, protocole 17 octobre, là, les salués et d'accord puisque nous participons à un paquet de discussions avec des acteurs jusqu'à ce que nous arrivions à joindre un consensus, joindre un entente dans les acteurs, nous-mêmes au niveau du 17 octobre. Nous pensons que c'est un pas très positif dans la démarche pour nous résoudre la crise-là. Maintenant, ce n'est pas encore fini, c'est un pas seul parce que après le conseil a fini de monter, Jean nous-mêmes nous avons toujours dit dans toute position que nous prenons, le conseil a pris un pour tâche pour lui appliquer une feuille de route qui reflète sa pays à gain comme revendication, sa population lui-même l'a revendiqué, et yon a pi gros pilier. Nous croyons, quel que soit la gouvernance qui pourrait le monter là, quel que soit le gouvernement, yon doit et adresser ses problèmes et sécurité. Donc nous croyons que gros efforts qui convergent entre différents acteurs, yo, c'est un grand pas et nous saluons lui. Et j'en ai dit tout à l'heure, maintenant on a continué à parler avec différents acteurs pour nous garder comment pour bon feuille de route qui appliquée, qui adaptée avec niveau crise là. Maintenant j'en ai dit, c'est un pas par le fait que nous avons choix premier ministre qui pour fait, un choix gouvernement, encore ensemble de ministres, directeurs généraux, tout choix ça pour fait, mais tout ça doit rentrer dans le cadre d'une vision globale de crise là. Ou de rentrer dans un plan de redressement économique, un plan pour que nous fassions face avec urgence humanitaire qui vient là. Il y a un plan pour que nous adressions les grands défis et puis pour nous mettre le pays à son règne, stabilité, pour nous mettre le pays à droite vers l'organisation des élections. Ça veut dire, nous-mêmes au niveau du protocole là, nous croyons que le conseil présidentiel ça qui pral et dans tête pays a la bien responsabilité pour l'orienter pays a autrement et j'en moi-même moi dit les autres huit défi en pile même ensemble de monde qui pral gain responsabilité et dans niveau l'état faut que connait yo c'est des serviteurs mais yo pas de décide même j'en noté qu'on voit ça passer dans le passé c'est parce que justement action publique ou action l'état yo yo pas jamais arrivé à agir sur problème réel population a fait face. Donc nous même n'a continué rester là et pour nous suivre, pour nous participer dans tout ça qu'a fait jusqu'à ce que population li rive joindre justice parce que nous gain plusieurs milliers de citoyens haïtiens qui obligés quitter la caillou par rapport avec gang, par rapport avec un modèle gouvernance qui établi, qui était surtout manifesté mépris pour population ça, eh bien nous croyons que consensus ça qui joindre mi temps acteur yo c'est pas vraiment un consensus qui permet la population à joindre justice, qui permet la population à tourner la cali, qui permet le pays à fonctionner, qui permet la route nationale ouverte, qui permet nous assurer la stabilité de pays pour nous organiser l'élection.
T'as écouté la Delson, n'a toujours été avec Delson, lui-même, et l'autre côté Delson, voyez, appel, bah, tout acteur qui fait proposition pour rejoindre l'idée conseil présidentiel là, pour défendre l'intérêt citoyen, yo, captain, l'ordre établi en dans pays, a, déjà un protocole là, quoi, toute force vive nation a dû rentrer dans la démarche à ça, pour sauver pays, a, premier ministre qui pourrait le monter a dû mettre intérêt personnel sous côté pour récamper institution publique, yo, et puis soulager citoyen haïtien, yo, Delson Sius. Maintenant, le grand consensus a été trouvé entre les différents groupes d'acteurs. Maintenant, nous pensons que ensemble de groupes SAIO soit des mondes qui défendent un modèle de gouvernance bicéphale classique, même si nous connaissons, nous parlons au moment pour que nous appliquions modèle gouvernance bicéphale ça. Maintenant, il faut que acteurs SAIO comprennent la nécessité pour que nous fait coup d'à coup là, une nécessité pour nous mettre ensemble, pour nous défendre l'intérêt de la population, parce que la population a un seul bagage à l'attendre. Que l'ordre rétabli dans le pays, que justice soit rendue avec cette population qui, depuis plusieurs années, a victime de phénomène insécurité généralisée de gangstérisation. Maintenant, nous pensons que le moment arrivé pour que nous convergions efforts, nous convergions l'idée, nous convergions toute action nous vers exécutif bicéphale qui peut gagner un conseil dans la tête avec un premier ministre de consensus. Et nous quoi, personnalité qui peut le premier ministre là, l'idée au-dessus du conflit. L'idée c'est un premier ministre qui est compétent. L'idée c'est un premier ministre qui comprend aujourd'hui un modèle gouvernance pas qu'à mépriser sa population à vivre comme réalité. Il y a un monde qui a une responsabilité. Il y a un monde qui comprend aujourd'hui la situation pays à retrouver là. J'aime te dire tout à l'heure, c'est pas prendre pouvoir pour pouvoir, mais c'est prendre pouvoir rapidement pour nous agir à court terme, à moyen terme et à long terme pour nous arriver à rétablir l'autorité de l'État. Parce que je dis à nous gagner toutes les institutions qui à genoux, maintenant il faut récamper ces institutions. Il faut que nous revitaliser l'État, revitaliser l'action publique. Yo. Et c'est ça qui fait moi-même, moi, prêter voix pour me parler avec toute camarade politique conséquence à pour nous dire, yo, moment arrivé pour nous avancer puisque exécutif bicéphale l'a établi. Un premier ministre de consensus pour l'installer, un autre gouvernement pour prendre tête pays. Maintenant, faut nous résoudre crise politique là pour que le gouvernement établi ne pas pour préoccuper des problèmes politiques, mais c'est surtout sous problème social, problème économique, problème qu'il y a avec question système électoral, problème qu'il y a avec environnement, problème qu'il y a avec infrastructure, parce que héritage qu'il a, il est très lourd. Li très lourd et une nécessité pour nous-mêmes, acteurs, nous mettons ensemble avec conseil présidentiel là, gouvernement qui peut le mettre en place là, pour que nous arrivions réussir transition ça pour bonne élection réalisée dans le pays. L'autre dossier dans le journal là, malheureusement, nous continuons à perdre des policiers lorsque c'est pas phénomène de sécurité, c'est une cause naturelle. Il y a un policier 31e promotion, Antoine Edwidge, qui mourait lundi 11 mars là, d'après sa Sinapoa apprendre. Policier a été malade, et puis il y a un policier Estino Angelo, 31e promotion, tout, il levé, je n'y mourir dans d'autres trois sous commissariat, demain 62, hein. Et ma question, c'est à Sinapoa apprendre, c'est une crise policière. Ici a fait toujours sur Estino Angelo, d'après responsable sous-commissariat Delma 62, inspecteur divisionnaire d'Osten Idel, Sinapoa, il fait connaître Sinapoa, il parle avec Sinapoa, mais il fait connaître policier Estino Angelo, t'es connu crise là, déjà l'elle prend dans le matin, et puis il a couru maintenant l'hôpital, l'elle arrive après 47 minutes, un docteur a déclaré le mouche. 12 mars 2021, 12 mars 2024, ça fait trois l'année depuis 5 policiers mourus dans l'opération dans le village des dieux. Porte-parole syndicat national policier haïtien Lionel Lazare regrette trois l'année après cadavre policier toujours dans le village là. Au contraire, pratique là continuer à répéter. Côté bandit continue à humilier policiers alors que autorité policier yo pas fait rien pour mettre bandit en rôle yo. Syndicaliste là dit gain gros problème à gros commandement policier là parce que responsabilité yo pas jamais fixé les gain fiasco qui fait dans
opération ou bien les policiers victimes, il n'y a pas qu'à jeune renfort. Lionel Larza, lui-même, qui parlait sur question sanction, n'a pas coûté. On va venir rapidement avec Lionel Larza, lui-même qui retourne sous date 12 mars 2021, 12 mars 2024 là, qui fait trois l'année depuis cinq policiers mourir dans le village là. 12 mars 2021, 12 mars 2024, ça fait exactement trois l'année depuis que tu as gagné cinq policiers qui t'es mouru dans une opération qui était faite dans le village des dieux. T'es gagné quatre policiers SWAT et puis t'es gagné un policier Boyd. Trois ans après, jusqu'à présent, cadavre policier yo toujours dans le village des dieux. Trois ans après, la police toujours continue avec même mode opératoire lieu parce que yo pas déjà fait rien comme démarche pour t'aller récupérer cadavre policier yo. Trois ans après, toujours gagné policier qui continue à humilier à chaque fois bandit touye yo. Par exemple, le 25 janvier 2023, nous songez ça qui t'est passé dans la zone Liancou, côté que t'es gagné 6 policiers Udmo qui t'est mouri, malgré que monsieur bandit a fait vidéo, policier ça a été lagué sur toutes les réseaux sociaux, et bien direction générale, pas de jamais fait un lien comme démarche, pas de jamais fait un lien comme opération pour t'al récupérer 6 cadavres policiers ça a qui t'est mouri avec uniforme sur dans le cadre d'intervention que yo t'a fait. Trois ans après, tout récemment, ça qui t'est passé village des dieux continue à passer le 29 février 2024 là dans bon repos nous voyons qui s'est passé malgré que policiers tapement des renforts et bien jusqu'à ce que gagne 5 policiers qui mourir renfort pas jamais venu. Trois ans après jusqu'à présent pas gagné responsabilité qui fixée par rapport avec opération qui était faite dans village des dieux ça montre nous que jodi à là nous comprendre que policier t'est mouri yo c'est yo t'est décidé mener tête yo à faire opération c'est yo t'est décidé rentrer dans village des dieux.